Zambe, au Zanzambe, au Zanzambe. Quand est-ce que l'État est arrivé? Tu diras que l'État de Tamagé est arrivé, hein, parce que j'ai comme mon livre de ici volé, n'a mis la valise. Quand est-ce que l'État est arrivé? Hein? Il faut qu'on en silence que vous attendre maturité. Tu n'es plus un enfant. Pour la nation, quand j'étais comme un enfant, je parlais comme un. Maintenant que j'ai grandi, j'ai fait disparaître ce qui était de qui? De la face. Rassure-toi que tu as grandi. Et grandir dans combien de dimensions? La première dimension, grandir physiquement. Est-ce que physiquement tu as quel âge? Ça c'est un. Deuxièmement, physiquement, grandir aussi maturité physiologique. Est-ce que mon frère, il y a un moment donné où il y a un abstenir, si on a une longue abstinence, on a la main pour la poutre sous la couche, on a un peu de temps. On a la tour, on a la main pour la couche, on a un peu de temps. Il est important. C'est une production nocturne, non, c'est physiologiquement normal. Comment se fait-il que tu portes sur toi un bois inoffensif? Tu me comprends? Tu ne peux jamais être excité. Et puis toi, tu crois que tu vas initier les fiançailles pour aller vers le mariage. Ton problème, c'est d'abord résoudre ton problème de l'érection. Va voir d'abord les médecins. Va y résoudre avant ou entrevoir qu'il y a une relation à fiançailles, aller vers le mariage. Ma soeur, est-ce que tu as déjà commencé à voir tes règles? C'est un. Deuxièmement, est-ce que ton corps est déjà développé pour porter la grossesse? Yakoufan, est-ce que Mouliakou est capable, dans le domaine physique, pour supporter ma exigence et la sexualité au foyer? S'il arrivait que mon garçon, tu tombes sur une supportive et satisfaite, ou t'as pas capable de vous satisfaire? Et si toi, ma soeur, tu tombais sur un gros bébé qui veut têter toute la nuit, sur ta poitrine, il ne veut pas te quitter, tu vas supporter? Il faut avoir un certain développement du corps. Ça va? Comprenez-moi, je vois que vous êtes aussi rassurés. Il y a pire, maturité spirituelle. Il y a la maturité spirituelle. Cher Kikou, quand on a la maturité spirituelle, il t'a conseillé quoi le discernement. Il y a Kouyoua, Hal, il y a Kiro, il y a beaucoup de manières à Kouya Kouakou. Je m'en ai pas Kouyoua Mou. Je t'aime, il a forcé que tu parlais très spécifiquement comment on être Dieu. Et puis nous allons, avant que vous ne posiez vos questions. Maintenant, il y a un thème qui a ma question, vous m'avez dit, c'est ça, vous m'avez répondu. Vous m'avez dit, il faut que quand on me commande à Kiro, ou t'as quoi à mesure, il y a quoi à la moyenne à vous t'embeller, et il m'y croit à l'Ikaoucha, à ranger technique, il y a quoi, ça vous tient, vous n'avez pas ça. Ou quoi la possibilité, il y a pour reconnaître, ou t'as quoi le discernement, il y a quoi à moyenne, il y a ma peine, il y a Mungu, il y a moyenne, il y a ma peine, il y a Mungu, quand on me commande à Kiro. Mais quand on a une maturité spirituelle, ou dans un comme bandit, on a constaté que nous déjà un foyer où j'ai un Freemason, où j'ai un Chétan, où j'ai un foyer. Voilà pourquoi, avant de chercher à entrer dans l'amour, développe-toi d'abord spirituellement. Tu développes discernement. Ou tu as un match à Kiroho. Là, on a bien. Mais quand on a un Kiroho, tu as un nini. Ou comme Mugiza, tu as un nini. C'est compliqué, vous comprenez? Il est un jour, il faut avoir atteint une maturité, un certain niveau de préparation. Préparation matérielle, 1.
Kama uko na puko sha usha prima prepare kinibambia hivi. Sauti yangu inaenda range. S'il vous plaît, wakati yenye unapenda, yote aliuliza hapa. Kama mtu anasema nisha kupenda, unakaambia nitumie hata veinite. Veinite mpaka ipataki. Bo nisha kupenda, nitumie veinite basi. Na veinite haka nayo. Mulitembea na kamutu huku mulihangaika na hako. Sasa umeingia hii, mulihangaika hii. Wende kwenu. Kukulipia na transport, ufike kwenu mbio. Haiko possible. SLD ni bonne préparation minimum. Tukisortire naye, mulipie nini? Taxi. Tukisortire naye, nipati hata kama nisikre mili yenye tuta. Tuta kute. L'amour a des exigences, on lui atteint la taille minimum. Je parle de plusieurs types de préparation, un minimum de la préparation matérielle. Bien qu'il y ait une préparation matérielle, mais c'est ça en fait. Posez-vous la question, non? Ça devient vraiment compliqué là. En fait, Dieu connaît où est-ce qu'il a placé cet homme. Voilà pourquoi il faut écouter Dieu et rester patient. Na usiogope, mwingine anaruhusa chana. Sasa mimi nikiona wakati haija fika. Mimi naona msichana anaangaza sana, sipata muda tourne. Watanikula yeye, pastor alisema nini? Hawezi de tourne volontaire. Un chanli ne wewe mbea. Nilimuona ka 3 ans avant de jiangashe. Sentiment amurengi to tirebi pendant 3 ans que sont ma créature. J'avais l'objectif de m'engager nani corrigé le L1. Voilà mon dernier année. Nani on va faire université. Mais mina mupenda nani corrigé ni ni kona kata ida kwa kujenga. Alors ni kamwa na mmo sicha kam sicha na mwa kamurembo kapwa na ya tili très naturel comme elle est encore aujourd'hui. Royan wina pasuka. Nami na simu sasa uka kam sicha na haka. Sini shangaje. Là, c'est ma bonne objectif à mon avis, si à vie quand j'ai engagé. J'ai commencé à prier, Dieu a torturé cet amour, jusqu'à ce que 3 ans après, Charlie, est-ce que tu savais que je t'aimais? Tu savais? Non. Tu n'avais jamais soupçonné? Non. Alors, il n'a pas l'homme battu, il a fait un dali. Après, il n'a pas voyagé ça, là. Il n'a pas béni, il n'a pas piégé, béni, béni. Beaucoup de voyages missionnaires avaient dit, mais il n'a pas servi le monde. Mais l'année qu'on a vérifié, on a quand même eu un coup. Nikaïna, on a Charline, donc elle s'est engagée. Elle est jolie, elle est belle, elle est intelligente, elle est éloquente, elle est tout. Mais elle a révisé des hommes parce que Dieu l'a posté pour moi. Alléluia. Ça veut dire quoi? J'ai posté Charline par la prière. Je l'ai posté par quoi? Il faut être patient. Personne ne va te détourner la personne qui t'est destinée. Deuxième question. Quand la rencontrerai-je, Nimeongea? C'est quand le moment est arrivé. Troisième question, où le rencontrerai-je? Je vous parle de 3 endroits. Les 3 endroits de rencontre. Alléluia. Il y a 3 endroits. Le premier endroit de rencontre avec la femme ou l'homme de ta vie. Il y a les endroits que j'appelle les endroits, les meilleurs endroits. Commençons par les meilleurs endroits. Commençons par les mauvais endroits. Il y a ce que j'appelle les mauvais endroits. Quels sont les mauvais endroits? Les mauvais endroits, ce sont par exemple les boîtes de nuit. Est-ce que vous avez une boîte de nuit? C'est possible? Là-bas, tu as fait un peu de temps pour ma boîte de nuit, tu vas aller à ma boîte de nuit, tu vas aller à ta foule, tu vas aller à ma boîte de nuit. Est-ce que tu as fait un peu de temps pour me provoquer? Pourquoi tu as fait un peu de temps? Les mauvais endroits sont les boîtes de nuit, les cabarets, les promos culturels, les palais culturels, toutes les manifestations qui n'honorent pas Dieu. Oui! Il y a deuxièmement, là il ne faut pas croire que tu vas trouver une bonne femme. Les personnes sont attachées aux endroits. Et chaque personne
fréquente l'endroit selon sa destinée. Alléluia. Si tu cherches une femme qui a une destinée comme ça, vois l'endroit qu'il fréquente, vois l'endroit qu'il fréquente, que l'on fréquente. Deuxième endroit, sont les endroits où tout. On doit lui poser la question. Est-ce normal de rencontrer la femme ou l'homme sur les réseaux sociaux? La question est là. Rencontre mon réseau social pour les classer mon deuxième catégorie à mon endroit douteux. Comment se fait-il que vous ne pouvez pas vous réseaux sociaux? En a chaté, vous avez chaté, vous avez chaté, tu connais? Il y a la chatte dans la cabane sur Facebook. Oh, ça, ça. Puis maintenant, j'ai la blouse. Vous avez fait une photo sur le Tommy. Ah, elle a tout fait sur le Tommy. Il y a un fata. Il y a un côté là, ok. Ah, en tout cas, vraiment. Ça, ça. Je suis sûr qu'il y a un côté là, qui tombe fou. Comment t'as tout? Si vous voulez dire, elle a dit, ok. Je suis sûr qu'on a dit, il y a une colonne, il y a une autre, ma maman vient. Pour qu'on m'a tout chip, pour qu'il y ait un milliard de dégâts. Et puis ensuite, qu'est-ce qui est arrivé? Jusqu'à ce qu'il y a un mambia, tu vas te masturber un peu, ou tu vas te mouler, ou tu vas te bien. On a vu les photos, on avait vu les photos. C'était notre nièce. C'était triste. Et les garçons aussi ont fait la même chose, il a envoyé aussi son sexe. Ça, on a vécu. Et puis, rencontre sur les réseaux sociaux. C'est grave. L'homme, on doit les rencontrer, la femme, on doit la rencontrer. Quand on a un autre point, tout le monde a existé quelque part. Alléluia. Ma droite, nous venons de ma réseau sociaux. Mais qui est ma droite, nous venons de ma cérémonie de mariage. Pourquoi ma cérémonie de mariage? Qu'au mariage de tout le monde est belle. Non, qui quoi? Tout le monde sera belle. À la fin, quand on a fait un chamboulé, on a fait un mariage. Wote wanakuwa marembo na ile chandelier pale unaweza danganyika tu usiona wengine waliruka unaweza kama nauka mpata pale pale dame ceremony de mariage aussi ce n'est pas bon endroit, c'est un endroit tout c'est rare de trouver une femme là-bas. L'autre endroit douteux, écoutez-moi bien, ce sont les matinées sportives. On a kafiri zile kwanza kutembo utata goma tara huko nazani. Je suis un moment où exposé, il m'a cuisé à mon boulot. Fouti. Quand on a chassé Chabouili, on a dit ah, en tout cas, on a mon qui est lui. C'est dans la nika. On ne choisit pas la femme comme ça ou l'homme comme ça. Il y a un endroit douteux, je vais vous choquer. C'est la masse de l'église. L'église, c'est aussi un endroit douteux. L'église, c'est à la fois un bon endroit et un endroit douteux. Quand est-ce que l'église est un endroit douteux? On a un endroit douteux comme quand ici comme Christ. La masse de l'église, on a envie d'avoir. Est-ce que à ça mon Christ, vous voyez bien, oh à ça mes nata, à la ombaka, à la ombaka. Quand on a dit ça, il faut dire que l'ombre, ma chenille, c'est la pitié à la tête de la chara, la tête de la boule, la dernière macanise. Alors si tu choisis la femme parce que tu l'as vu venir à l'église, c'est un endroit douteux. Alors là, on a dit ça, non. Il faut maintenant voir les meilleurs endroits dans l'église. Je passe aux meilleurs endroits. Les meilleurs endroits, c'est l'église. Encore. À la fois endroit douté et endroit. Meilleur endroit, quand est-ce que l'église devient meilleur endroit? C'est quand il descend dans les départements. Alléluia. On a allé à mon département et à l'église. Elle prie, mais elle est dans quel département? À la Ombaka, il y a un quoi, il y a un Xavier, il y a un Vélite, il y a un Kadet. Ah, dans la Ombaka, il y a un Kadet, il y a un Ulysse, comme à la Monaka. Aïe. Dans les meilleurs endroits, tu as la possibilité de te renseigner. Mais dans la masse de l'église, tu n'as pas la possibilité. Il faut que les départements soient la chorale, il faut que je sois dans mon département. Je ne parle pas l'église, c'est encore meilleur endroit. L'autre meilleur endroit, ce sont les groupes où vous connaissez mieux. Les mutualités des jeunes, mon adjoint, la vie, ma famille. Mais en tout cas, groupe restreint. Donc, on a fait un peu de temps, 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 on a fait un pe
On ne va pas avec un homme ou une femme, ça sera saigné sur lui. On a ce qu'il y a. Quand on a un information pour mundu, ou si on ne pas endroit bien. C'est comme ça qu'il faut aller dans les meilleurs endroits. Ok, j'ai fini les trois endroits. Vous allez trouver l'autre dans les modules. La question suivante, comment on est de la silence, que c'est elle ou que c'est lui? La première chose, il y a cinq voies. La première voie que tu as quand même dit, il y a quoi de ça? Il faut connaître toi-même ta vie. Est-ce que tu te connais? Pose la question, est-ce que tu te connais? On a dit toi. Oulisana, on a dit toi. La première piste dans le choix, c'est se connaître. Alléluia. Niki jijua da chagua mtu mwenye anaambatana na mimi gisi mimi najijua. Mais si tu ne te connais pas, comment tu chagua mtu mwenye mwenye atakuambatana? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce qu'on a jijua kwanza? Est-ce que tu te connais? Hii micro inanivunja kabisa. Viens là-bas. Il faut se connaître. Est-ce qu'on a jijua? Quelle est ta mission? Quelle est ton orientation? Quelle est ta destinée? Quelle est ta position à Christ? Quand on a dit la position à quoi Christ, on t'a chagoué à moutou mouenye à ta poussaïdi à poignée dans les positions. C'est la première chose. Quand on a dit jour 1, il y a pile ça, on a pas n'a qu'à ma piste. On a dit, 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 on a j'ai une révélation, une voix horrible, il y a une voix à Kwanza, mais c'est une voix très goûteuse et dangereuse. Oh, on a dit, non, mais il y en a. Il y a une lala, il y a une pitié moya. Comment on a découvert ça? Quand les garçons ont fait une fille, ils ont fait une fille, ils ont fait une garçon a dit, ah, bana, a tout à fait une fille, ils ont fait une fille. Ils ont fait une fille, 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 ils ont vous imaginez, vous pensez là. Ça c'est la première fois d'intérêt. Ne cherchez pas l'homme dans la révélation, la voix audible. Ne force pas cela même si ça peut exister. La deuxième fois, c'est la voix par prophétie. Une prophétesse qui vient dire, tu te mec, mon roi m'a dit c'est là. A sorti. A cabousa. Comme c'est une prophétesse. Sasa, ma prophétesse n'a pas encore des fois manipulé. Vous allez ça vous manipuler dans qui l'a touché à vous. Mais dans mon bouquin, maman, pasteur, dans la vie, c'est la fille que vous avez la basse. Vous entendez? En tout cas, vous avez un mot qui s'est loin là. Vous avez un mot qui s'est loin là.